L'équipe de Bretagne. Voilà la Bretagne. Arrête de jouer au con, arrête de jouer au con. Bah, quand j'étais championne de France au cycle court, c'était un titre élite, donc c'est sûr que c'est au-dessus. Après voilà, un titre espoir, je suis aussi contente de l'avoir. Bonjour et bienvenue dans Ravito, notre émission vélo du Télégramme. Ravito, comme d'habitude, c'est tous les vendredis à 18h sur letelegramme.fr, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, un inside avec l'équipe de Bretagne. Mercredi avaient lieu les championnats de France à venir en Normandie. Une bataille pour le maillot tricolore auquel ont participé les meilleurs Bretons, qui pour certains figuraient parmi les favoris. On vous emmène avec nous, on les a suivis toute la journée. Eh les gars, on met un coup de collier, ça rentre trop vite derrière. On fume la pipe, hein. On laisse les autres nous ramener. Bon, on va dans la chambre du comité de Bretagne. Donc, on est là depuis 2 jours et puis on va commencer à préparer les affaires pour la course. Il y a 15 comités. Alors, des fois dans les comités, on n'a qu'une jeune fille. Hein, pour la Martinique, par exemple. De faire 29, de partir à Tunisia. Ça, c'est un signe. Ça fait plaisir. Là, on huile les chaînes pour que ça ait le temps de sécher pour cet après-midi et que la cire soit bien parfaite pour la course. On a 16 vélos, plus une dizaine de vélos en rechange. Et on vérifie qu'il n'y a pas de problème sur les boyaux, sur les pneus. Voilà, pour pas avoir de surprise au départ. On va préparer les vélos. Un peu d'appréhension ou pas? Ouais, ben un petit peu, c'est une course spéciale et moins de 23 ans, tout le monde va être surmotivé, c'est clair. Mais bon, on est une bonne équipe, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On part tous ensemble par la petite route, donc comme on a fait hier pour reconnaître. Ça pète! Bah, c'est le dernier, ouais, parce que l'année prochaine, après, comme je suis Sharkia, je pourrais pas faire. Et voilà, l'année dernière, j'ai eu un petit goût amer de faire deuxième, donc j'espère que je vais pas passer à côté. Et après, voilà, faut rester réaliste, il y a un beau plateau, c'est une course d'un jour, donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Bah, l'objectif pour moi, là, c'est le titre, c'est clair, c'est. C'est un gros objectif cette saison, c'est un beau championnat dans la catégorie espoir en plus. Et puis, sachant qu'il y a le Tour de l'Avenir après, ce serait l'occasion de porter le maillot. Et non, c'est un réel objectif. Et puis, je pense qu'on est une bonne équipe, donc j'arrive confiant sur ce championnat. Ouais. Non, maintenant, ça va être à vous de jouer, les gars. Maintenant, on a assez discuté hier, on va pas revenir dessus, vous êtes dans votre bulle. Allez, on est en match maintenant. Hein. T'as pris tes bisous, Ravito, c'est là. Le Ravito, c'est là. Ouais. C'est un McDo, quoi. Les deux par personne. Dans les veines. Merci. L'équipe de Bretagne. Voilà la Bretagne qui nous rejoint maintenant. Mathis Lemaire dans l'équipe. Nous retrouvons également dans sa 31 Luc Aguillet. Voilà, c'est terminé donc. Pour la Bretagne que vous pouvez attendre, vous pouvez les retrouver tout à l'heure sur le podium. Bonne chance messieurs, bienvenue chez nous. Voilà, et déjà ils ne le sont pas. Hein. Et voilà, on les applaudit globalement, ils viennent de partout, en France métropolitaine. J'aurais demandé d'avoir toujours au moins un coureur dans n'importe quel groupe, même un groupe de 4-5, il faut toujours prendre un coup d'avance. Et puis ensuite, c'est les coups de 10 à 15 coureurs qui sont les plus dangereux. Donc là, je leur ai demandé d'être en surnombre. Minimum 3 coureurs dans ces coups-là pour vraiment avoir un coup d'avance. Et puis c'est une fois que l'échappée va être sortie, c'est là que la stratégie va se mettre en place.
le 125 Gotra, 126 Kramer, 127 Poulard. Ça va, c'est, tout le monde a les mêmes cartes. Et du coup, on a dit, parce que là, je pense qu'ils vont m'appeler peut-être bien. Chez nous, là, c'est Nathan, c'est Nicolas et c'est qui ? Nolan Maudo et Nicolas. Il y a Nolan qui est dedans. Ah, donc on a une belle carte. Eh, c'était très bien ce que vous avez fait là. Par contre, quand on a un groupe comme ça. On roule pas, hein, évidemment. On se laisse ramener par Tronchon et compagnie. Hein. Ok ? Ça marche ? Je vais monter devant les voir. Ok ? On y va, les gars, on met un coup de collier là. Eh les gars, on met un coup de collier, ça rentre trop vite derrière. On met un coup de collier jusque dans le bourg. Faut pas qu'on laisse revenir en dessous de la minute, ok? Là, combien, là? Là, il y a à peine la minute, ça va revenir un peu trop vite, donc montez là-bas, c'est un bon coup, là, allez. Allô, quand tu rentres, les gars, ils me demandaient en fait s'il fallait rouler ou pas, non. On fume la pipe, hein. On laisse les autres nous ramener. Ouais, bah oui. Okay, bah. Parce que Clément, il s'affole un peu. Ouais. Et tu dis bien, Mathis, pour l'instant, on est très bien, on est qu'à mi-course. Hein. Okay. Allez, là, Clément Fouillette. La Fouillette, là-bas. Change. Il va pas rouler Grégoire, ils sont en train de s'enterrer là. Nous, Nolan, c'est terminé, donc faut qu'il arrête de jouer au con. Maintenant c'est fini, de toute façon, il reste un demi-tour, tu le verras pas. Donc s'il réagit pas, bah on a perdu. C'est mort. Arrête de jouer au con. Hey, arrête de jouer au con, Ewen, t'occupes pas de lui. Le bonheur pour le port de la BCX, gardien sanitaire, le titre de champion de France, course à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, et on demande hommage à tous les champions que nous avions, car la course a été belle. Attends, les corps nous ont régalés, on va Romain Grégoire qui s'arrache pour aller chercher la médaille de bronze. La compétition, vous vous pardonnez tous les corps qui terminent. Un grand bravo. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Le championnat de France à venir aura tout de même souri aux Bretons. Côté homme, Eddy Le Huitouze s'impose sur le contre-la-montre. Et côté femme, c'est Amandine Fougner qui l'emporte sur la course en ligne, tandis que Célia Lemuel remporte le contre-la-montre. On écoute leur réaction. Parti maintenant depuis 23 minutes et 59 secondes. Le meilleur temps donc pour Eddy Le Huitouze dans les derniers hectomètres de ce championnat de France contre-la-montre. Bah, plus je grandis, plus les catégories ont d'importance. Donc je pense que c'est le plus important de tous depuis que j'en ai. Et c'est toujours un plaisir de revêtir ce beau maillot. Je suis parti assez prudemment, enfin assez vite quand même, mais j'ai géré au début. Parce que je savais que dans le final c'était vraiment dur et qu'il y avait moyen de perdre beaucoup de temps. Donc je préférais être frais dans le final et bah, gagner du temps là. J'avais aussi dans un coin de ma tête, donc forcément on le prépare consciemment et voilà, le tour, c'est ça qui me l'a fait, je pense, avoir la forme aujourd'hui, quoi. T'avais déjà des titres en champion de France de cyclocross. C'est quoi, c'est plus important, c'est comment tu le situes par rapport aux autres titres justement? Bah, quand j'étais championne de France cyclocross, c'était un titre élite, donc c'est sûr que c'est au-dessus. Après voilà, un titre espoir, je suis aussi contente de l'avoir. Du coup, c'est vraiment pour moi un peu une récompense après tous les efforts et les deux années un peu de vide où j'ai pas pu trop m'entraîner, progresser et faire des résultats. Je me suis vraiment fixée comme objectif ce maillot sur le chrono. Je sais que j'ai des capacités là-dessus, donc une grosse récompense et grosse satisfaction aussi. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.